Ici, on est dans le zoning nord de Bayonville, donc c'est un zoning qui a été créé il y a une dizaine d'années. Donc on est dans les premiers à s'y être installés et on est un atelier de soudure, de ferronnerie, de pliage, de cisaillage. Donc on travaille toutes les matières qui sont acier, inox, aluminium, la fonte, mais ça c'est surtout des réparations. Donc on fait tous des travaux à façon. Les réalisations qu'on fait, ça peut être du chariot pour le transport de matière, ça peut être des escaliers pour le particulier, ça peut être des pièces pour des sociétés industrielles, pour des brasseries, des collecteurs, ça peut être de tout. Et même de la réparation de certaines fuites. Soit on remplace la conduite, soit on la répare ou on la transforme. Nous, on ne fait jamais deux fois la même chose. Tout est au cas par cas et au goût de chaque client. Ça peut avoir parfois une ressemblance, mais au final, c'est quand même chaque fois des projets personnalisés. Pour le particulier, il propose une vue 3D pour qu'il puisse être satisfait et vraiment se rendre compte de ce qu'il va avoir à la base. Donc s'il y a une petite modification, on peut encore le faire. Et puis alors quand la réalisation, la modification est faite sur les plans, ben, le fichier, on envoie un fichier dans nos sous-traitants qui sont des découpes laser. Et là, on fait produire toutes les pièces d'assemblage. Et quand les pièces arrivent ici, ben, nous, on réalise l'escalier, la barrière, la passerelle, n'importe quoi. On travaille ici depuis 2009 dans ces installations-ci. On a réinvesti dans des machines style de cisaille plieuse. Le chiffre d'affaires ici, ça varie entre 250 et 350 000 euros. Et alors, j'ai engagé Steve, maintenant il y a 4 ou 5 ans. Donc, et voilà, donc on se développe. Mais bon, je ne veux pas non plus me développer pour arriver outre mesure. Donc, je pense qu'une équipe de 2, 2,5 avec le stagiaire, c'est suffisant.